Mais ça a commencé à prendre des fautes électriques là-bas. Dans les trucs. Vous étiez en train de dormir? Oui. Et puis qu'est-ce qui s'est passé? Il a entendu des bruits et puis c'était quoi? Des bruits, il pensait que c'était des voleurs. Ouais. Et après, quand il a vu, c'était du feu et ils sont sortis. Combien de personnes habitaient à l'intérieur? On était deux avec l'autre qui était en bas là. On était trois. Mais c'était mon tonton qui m'a appelé que c'était en train de bouler là. Je suis dans la maison à côté. Oui. C'est mon frère qui m'a réveillé en me disant Sylvie, sors de la maison. Parce que comme je dors avec la clé, le temps que j'ouvre la porte, il y avait la fumée était déjà au fond. J'ai juste le temps de prendre mes enfants et sortir. Mes deux enfants badass, ils ont avalé de la fumée. J'ai un bébé de 3 mois, une fille de 1 an et demi, avec une fille de 7 ans qui dormait, mais on était dans une chambre climatisée. Le feu, il a pris vite, regardez, tout a été détruit. Les enfants sont où? Là, je les ai laissés chez ma soeur parce que j'ai rien pris, on ne pouvait pas rester ici. Vous étiez combien dans la maison? Chez moi, on était à 7 personnes, mais que des adultes, il n'y avait que mes enfants badage. Eux, ils sont tous seuls, les jumeaux là. Vous étiez tout seuls, les jumeaux, dans la maison? Oui. Les deux jumeaux étaient tout seuls dans la maison. Quand ça a pris feu? Oui, c'était tout seul. Ça a commencé chez lui, là, regardez, là, ce côté-là. Où sont les parents? Ils sont pas là, ils sont au Yapok. Ils ont quel âge, ces jumeaux? 16 ans. Oui, on t'entend qui? Combien de temps? 17. 17 ans.